Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes vendredi 15 septembre 2023. C'est parti pour une vidéo à Action de Vitry-sur-Seine. Et là, je suis obligée de faire un coucou à Yolène de Martinique. Les tapis, alors je sais que vous êtes nombreuses à rechercher le blanc, mais là il reste encore pas mal de gris, donc c'est ces tapis là qui sont tendance, ils sont à 39,95 €, mais il me semble que pour le beige il devrait être de retour, je pense d'ici quelques jours. Il fait 1m33 sur 1m90. Les coussins Ami, je sais pas comment on prononce, 6,95 €, ils existent en rose, ils existent en blanc, en gris et en noir. Alors moi je les trouve beaux en blanc. On a ces plaids qui sont pas mal comme ça, fausse fourrure. Je sais pas si c'est fausse fourrure, couverture. Ils sont assez épais et en fait d'un côté c'est ça et de l'autre côté c'est comme ça. Donc ils font 1m50 sur 2m. Ils existent en blanc, en gris et en marron. Par contre, je vois pas le prix de ceux-là, je vous les donnerai sûrement dans une autre vidéo. On va regarder les housses de coussin. Alors parfois, c'est plus intéressant de prendre les housses de coussin, surtout si c'est celle que vous souhaitez, que d'acheter le coussin en lui-même. Hein, ça revient à moins cher et puis ça permet comme ça de changer tout au long de l'année de couleur ou de thématique. On a celles-là qui sont pas mal. 3,99 €. Et on a aussi celle-là. En comme ça en fausse fourrure. Alors c'est fausse fourrure des deux côtés, il y a cette couleur, il y a noir et beige. Après vous avez les coussins pour garnir justement si vous n'avez pas de coussin déjà. Alors c'est 1,79 € les 40 par 40 et les 45 par 45 c'est 1,99 €. Alors mon avis, hein, si je peux me permettre, je trouve que ces coussins ne sont pas assez épais. Après ça dépend de ce que vous recherchez, voyez. C'est comme ça, ça a l'air épais, mais en fait, ils s'aplatissent assez rapidement. Donc, si vous voulez quelque chose de bien fourni, c'est peut-être intéressant d'en mettre deux. Bien, tu as une nouveauté, c'est un support téléphone réglable. 2,79 €. Donc, ça peut être pas mal pour regarder ses vidéos ou travailler parfois, avoir le téléphone peut-être un petit peu en hauteur comme ça. Et il existe donc en gris et en noir. 2,79 €. Pas mal ça. Loisirs créatifs, les petites pierres à coller. 74 centimes. On a les crochets, 6 pièces, 6 couleurs différentes avec la poignée douce. Et différentes tailles. 2,29 €. Des petits pots à provision, 4,95 €, il y en a 10. Après on a ceux-là, puis on a ceux-là qui sont un peu plus gros. Là c'est 1,99 €. Alors ça c'est pas mal aussi pour faire vos desserts maison, petite mousse au chocolat, salade de fruits. On peut aussi faire des verrines, parce que c'est vrai que je pars toujours dans le sucré, et pourtant je suis plus salée que sucrée. On peut faire des petites verrines salées, avec de l'avocat, de la tomate, du thon. Moi j'aime bien ces pots à provision comme ça à visser et je les trouve plutôt sympas ceux-là, 1,79 €. Alors chaque fois que je fais des nouvelles découvertes, je m'abstiens parce que sinon je changerai toutes les semaines au niveau des pots à provision. Moi j'ai ceux avec le couvercle en bois et j'ai aussi ceux comme ça avec les couvercles noirs. 1,99 € ceux-là. On a des nouveaux mugs avec le bord doré et puis la anse dorée. Ils sont très jolis, vous allez voir, il y a 4 couleurs, ils sont à 2,79 €. On a le bleu, le vert, le rose. Alors je pense que celui-là, il va faire fureur. Le rose, c'est vrai qu'il est vraiment très beau. Et on a celui-là. Tiens, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Moi, j'aime bien le vert et le rose, tiens. Oh, ils sont beaux tous les 4, ça dépend après des goûts de chacun, mais j'aime bien le vert et le rose. Donc il va au lave-vaisselle par contre. Alors il va au lave-vaisselle mais pas au four et au micro-ondes. Les moules à cartes en silicone, il y en a 5. Ils sont à 2,72 €. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y a le gris, il y a le vert. Et si vous préférez, vous avez ceux-là en... Comment on appelle ça? En acier. 2,72 €. Et dans celui-là, il y en a 4.
Elles ont mis ces bols mélangeurs à 3,99€. Le lot de deux. Donc on a ceux-là aussi à 2,49€. Alors moi j'ai eu ceux-là les premiers d'ailleurs que j'avais acheté dans un magasin bleu suédois en blanc. Et je les ai depuis des années. Alors je n'utilise pas forcément pour la pâtisserie, mais des fois quand j'ai besoin d'un bol ou parfois quelques salades, je les utilise pour ça. Là il y en a trois, ils sont colorés. On a bleu, vert et rose et on a bleu, vert et gris. Les friteuses à air chaud, on a les deux modèles aujourd'hui. On a celui-là qui est à 80, celle-là qui est à 89,95€. Celle-ci, elle a deux bacs, 2 x 3,6 litres. Donc on peut faire la cuisson de deux aliments. Ça peut être du poisson, des légumes, du poulet, etc. Alors ce qui est bien, c'est que la température, on peut la différencier. On peut faire voilà, 180 ici, 160 là. C'est vraiment deux paniers qui sont complètement individuels. Et après, on a celle-ci à 59,95€. D'ailleurs, Action, normalement, on proposait trois. La troisième, c'est celle avec un panier un peu plus petit, qui était à 49€. Celle-là, le panier, il fait 4 litres et demi. Les sous-assiettes, sont beaux ceux-là. Alors, on en a eu pas mal, et c'est vrai que des fois, ils se ressemblent. Hein. 2,99€ ceux-là. Après, on a ceux-là, 1,79€. Et on a les petits, 99 centimes, on l'a de cette couleur, on l'a en noir sans les froufrous, en blanc sans les froufrous. Les paniers, tiens, ils ont pas mal de paniers, on a ceux-là, ils sont à 3,99€, on les a en beige, en blanc et en noir. On a ceux-là en métal à 3,99€, les petits en métal, 2,79€. Oh, j'ai un souci avec le prix, tiens, j'ai un doute sur le prix. Mais ils existent en noir ou en blanc. On a ceux-là, feuilles de maïs, 4,99€. On a ceux-là, à 9,95€ les grands. Ceux avec la feutrine, 4,99€. 4,99€ ceux-là. Ils ont vraiment pas mal de choix au niveau des paniers. On a ceux-là. Ceux-là, ils sont... Alors, c'est le problème, j'ai un souci avec les prix. Là, je vois que les trois sont à 11,57€. Donc, en général, c'est toujours pareil. Je crois que les petits sont à 2-3€ et peut-être 4,99€ ou 5,99€ le plus grand. On a ceux-là aussi, en gris et en noir. Ben ceux-là, ils ont eu pas mal de succès. Je me demande même comment ça se fait qu'il en reste encore. 6,95€. Et ceux-là en velours à 4,99€. Les tapis naturels, 39,95€. On a cette couleur, on a du gris, ou du gris anthracite, et du gris clair. Savon pour les mains, 1,39€. On les a vus plusieurs fois dans ma vidéo, mais je trouve qu'ils sont bien. C'est la gamme Aromacologie. On a, ça, c'est pour le shampoing. C'est le shampoing pour les cheveux, je voulais dire. Pour nettoyer le visage. Et on a le gommage, 1,99€. Et après, on a ces savonnettes là à l'argile, 1,11€. Moi, j'ai la rose et c'est vrai qu'elles sont vraiment bon. Donc, celle-ci, c'est argile rose avec la rose, charbon. Argile verte avec l'aloe vera. 1,11€ celle-ci. Ils ont le masque Garnier Fructis glycérine Airbomb, 4,95€. Les shampoings Herbal Essence, 90% d'origine naturelle, 0% de parabènes, 1,99€. Alors on a celui-là. Alors non, c'est pas des shampoings, c'est des après-shampoings. Je viens de voir, alors je suis en train de tourner ma tête pour voir, parce qu'en général, quand il y a l'après-shampoing, il y a le shampoing aussi, bah, en tout cas, il n'y en a plus. Donc on a celui-là au gingembre, et celui-là, fruit de la passion. On a les shampoings fruit food, 1,59€. On a la banane, l'avocat, et je crois que c'est cranberry, ça. 1,59€. Et on a les masques aux fruits aussi, ils sont à 2,12€.
J'ai l'une d'entre vous qui m'a demandé après ces rhums. Bah là, il y en a dans le rayon de Vitry. On a les trois en plus. Donc les sérums Super Booster, ils sont à 2,99. Donc il y a l'anti-âge, éclaircissant et anti-imperfection. Après, il y a ceux-là aussi à 1,89€. Il y en a un, l'acide hyaluronique, je crois que c'est celui-là que tu cherchais d'ailleurs. Et le super élixir, normalement, de cette gamme-là, il y en a un troisième. Il y a une crème aussi qui est pas mal de chez Elisa Jones, c'est celle-ci. Alors moi, j'ai déjà essayé la rétinol. Je cherchais la rétinol. Moi, je trouve que c'est bien. J'avais la peau, j'ai vu un changement dans la peau quand même. Donc, il y a rétinol, il y a acide hyaluronique. Il me semble qu'il y en a une troisième, je ne sais plus la troisième. Je sais que le pot est jaune. 2,98€. Allez, aujourd'hui, je vous ai rien montré de Noël. On va voir ce coffret pour Noël à 4,44€ avec la lotion pour le corps, le gel douche et la petite bombe dans une petite boîte en forme de sapin. Elle est en métal, la boîte. Alors, on va terminer par ça. Je vous avais dit que je prendrais cela et comme ça, je vous dirais si c'est bon ou pas bon. Alors, j'ai pris parce qu'en fait, c'est sans gluten, sans lactose. Alors, j'ai regardé. Moi, j'ai pas vu de sucre. Et en fait, c'est des barres à base de pâte de date. Celle-ci avec du cranberry. C'est 1,59€. Il y en a 3. Il y a caramel beurre salé. Alors, toujours pareil sur une base de pâte de date. Et il y en a un troisième, je crois, au citron. En tout cas, moi j'aime bien et c'est vrai que c'est pas mal. Après, faut aimer évidemment la date. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je savais que je voulais vous dire quelque chose, j'ai oublié. C'était pour passer un petit coucou à Jocelyne. Merci beaucoup Jocelyne pour ce petit moment d'échange. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à bientôt et bisous aussi à ta fille. Bisous à tous.